combat, il faut avoir le secret. Vous voyez, il n'y a jamais quelqu'un qui a combattu sans qu'il n'ait le secret. Il faut avoir le secret pour avoir la victoire. La victoire part du secret que tu as acquis dans le spirituel. Or, si tu n'as pas le secret pour avoir la victoire, il sera difficile pour toi de rentrer dans certaines choses. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on acclame Jésus? Il y a des choses que vous devez savoir pour avoir la victoire. Amen. Amen. Parce que vous voyez, la terre a des esprits. La forêt a des esprits. Pourquoi on dit l'or détruit? Pourquoi on dit l'or détruit? Parce qu'il y a un esprit qui est derrière l'or. Sinon, l'or, il y a des gens qui s'enrichent. Pourquoi les gens, quand ils volent l'or, et puis ça les détruit? Parce qu'il y a un esprit. Comment maîtriser l'esprit de l'or? Comment maîtriser l'esprit de la terre? Allons-y, prenons Daniel, le chapitre 5, le verset 4. Vous allez bien comprendre ça. Amen. Vous allez bien comprendre. Donc, le fait même d'être en contact avec ce frère, je cherche à savoir quelle est la matière, quel est l'esprit, n'est-ce pas, qui règne sur sa vie. Voyez, prenez la Bible. Daniel, le chapitre 5, le verset 4. Il put du vin et il louait les dieux d'or. Écoutez, on dit il put du vin et louait les dieux d'or. Donc il y a un esprit de l'or. Allons-y. L'argent. L'esprit de l'argent. De fer. De bois. De bois. Et de pierre. De pierre. En ce moment. Dans ma version, il y a l'esprit de forêt. Amen. Amen. Voilà, c'est pour ça que quand tu veux aller, par exemple, je prends l'exemple de Divo. J'ai un esprit de Divo. Il y a un esprit qui est là, c'est Divo. Or, si je n'ai pas maîtrisé l'esprit de Divo, c'est l'esprit qui va me maîtriser. C'est pour ça que Jésus a même dit, avant de rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut que l'homme fort soit lié. Si moi je m'en vais au Togo et que je ne maîtrise pas l'esprit qui reste sur le Togo, c'est l'esprit là qui va me détruire. Or, on ne rentre pas comme ça dedans. Alléluia. Amen. Tu vas faire un commerce dans un quartier, faire un commerce. Il y a un esprit du quartier. Or, si tu ne maîtrises pas, tu n'arrives pas à dompter, maîtriser, lier l'esprit du quartier, tout ce que tu vas entreprendre là où les gens ont l'habitude de réussir, toi tu as un problème. Ce serait que de l'autre côté, eux, ils font des pactes. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Il y a des esprits. Il y a des gens, ils prennent des bagues et puis ils font des bagues. Est-ce que vous savez quel est l'esprit qui compare la bague? Il y a des gens qui se lèvent un matin, ils vont payer des alliances parce qu'ils ont envie de se marier. Est-ce que vous savez quel est l'esprit qui accompagne l'alliance? C'est pas qui fabrique les alliances. Vous portez nos alliances sans que ça soit consacré, vous aurez des problèmes dans le foyer. Il y a toujours un esprit qui accompagne. C'est ça que vous lisez dans Daniel 5, le verset 4, il dit, eux ils louaient l'esprit d'argent. De l'or. Amen. Or, l'argent, c'est ce qu'il nous a enseigné ce soir. Vous serez sur le message de demain. Si tu as maîtrisé cet esprit, l'argent ne va jamais te manquer. On ne dit même pas amen. Amen. Or, quand tu as l'argent, il y a un esprit qui vient te parler pour aller gaspiller. Hein? C'est l'esprit d'argent. Lui ne veut pas que tu atteignes une dimension de la richesse. Donc il vient et te parle. Et tu as l'impression que tu es pressé. Pour rien, ton cœur bout, tu as mis les dépenser. Au départ, il y avait ce problème. On m'a donné 1 million 500. J'ai ça. Je devais acheter le matériel. Et la nuit, l'esprit est sur moi. Pour prendre l'argent. Je sens que telle personne a besoin. J'ai mis de prendre l'argent et lui donner. J'ai tout là. Je vais être gentil à l'argent. Pourtant, ce n'est pas destiné à ça. Oh, j'ai donné rendez-vous à 8 heures. L'esprit est sur moi. Vous dites non, mais comme tu aimes de Dieu, tu vois, attends. Je suis allé me laver. Hein? Et puis, j'ai pris l'argent. J'ai décidé dans le matelas. Je me suis couché. J'ai dit à l'argent, prends-moi et sors. Va dehors et moi. Prends-moi et va dépenser. Prends-moi. Hein? Faut me prendre. Hein? Puis, va et dépense la qui fait.
Martin a été délivré. C'est moi qui commande l'esprit. Or, nous devons maîtriser les esprits. Nous devons maîtriser les esprits. Si tu ne maîtrises pas l'esprit, ça serait un problème. Amen. Amen. Je me suis levé du lit et dit, désormais, l'esprit d'argent qu'on appelle maman ne doit plus être maître sur mon argent. Vous comprenez? Ne doit plus être maître sur mon argent. Oh, il y a un esprit qui n'encore pas l'argent. C'est ce que quand tu as ton salaire, ça ne reste pas. Ça se volatilise comme ça. Amen. Amen. C'est un esprit d'argent. Dès que tu as l'argent, c'est des problèmes. J'ai un esprit qui accompagne l'argent. Or, si tu maîtrises l'esprit, c'est fini. Dès que tu touches l'argent, c'est la prospérité, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Quand tu décides de faire quelque chose, tu arrives à aller jusqu'au bout. Écoutez, c'est pour ça que quand vous venez ici, il y a ce qu'on appelle le bain de purification. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas passé par ce baptême-là, ton passé va toujours te rejoindre. Amen. Amen. Parce que déjà avant d'être chrétien, tu as été consacré aux esprits. Que tu veux ou pas, tu as été consacré aux esprits. Il y a l'esprit de la terre. Tes parents qui sont là, t'es enterré, ton cordon ombilical, ton nombril, tout ça là. Où il y a deux fois dans leur famille, le cordon là. Quand ça tombe, un enfant, il garde ça. C'est dans leur cantine. Il y a des gens qui gardent ça. Or, celui qui enterre même le plan Satan, c'est celui qui oriente votre destinée. Amen. Or, si vous ne maîtrisez pas ça, les esprits vont vous suivre. Puisqu'on vous a consacré à ça, vous allez vous mettre briser. Mais quelle est l'action qui est venue briser? C'est ce qu'on appelle le bain de la purification. Il y a des choses que vous devez purifier. C'est ça que Jésus-Christ, avant de démarrer son ministère, est passé par les eaux de baptême. Amen. Vous savez, quand vous venez ici, on vous parle de bain. Non, c'est parce qu'on a besoin de. Non, mais c'est important pour toi. Or, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qu'ici on fait forcément. C'est ce qu'on appelle le bain de purification. Nous, c'est une forme de baptême. De toute façon, il y a le baptême de feu, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau. Oui, il y a des choses que vous devez venir de savoir. C'est ce qu'on appelle les mystères. Or, le prophète est là pour enseigner des mystères. Or, il y a des choses qui ne doivent plus vous déranger. Moi, j'ai parlé à la terre. Donc, tout ce que les gens feront sur la terre ne va jamais m'atteindre. Je m'en vais à Lomé. Je descends. Pourquoi regarder? Écoutez-moi bien. Quand le prophète qui est mort, Jean-Paul II, quand il descend dans un pays, il fait un baiser la terre. Il parle à la terre. Toi, tu viens t'acheter forêt, tu viens faire éveil. Tu n'as même pas maîtrisé les esprits de la terre. Tu as très bon, ça c'est gâté. Amen. Or, pour consacrer une terre pour entreprendre des plantations, il faut forcément 9 jours. Vous ne connaissez pas ça. Mais il faut 9 jours. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de la naissance. C'est vraiment important. Quand vous partez prendre une plantation, pas parce que Zadi a pêché là, que tu vas vouloir faire avec Zadi. Mais quand tu prends une chance, pourvu que ça soit consacré, tout ce que tu fais marche. Or, quand tu as une plantation, tu as pris une forêt, avant de t'engager à faire, mettre les plantes en terre, il faut prendre 9 jours. Si tu as commencé à 9 heures à parler à la terre, chaque jour que ça soit les 9 heures. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Comme ça, la terre enregistre tout ce que tu dis. Tu m'as même dit, mais la terre, j'aimerais que ce que je vais faire là, que ce soit plus de 2, 3, 4 tonnes. Ce que tu as enregistré là, c'est ce que ça va produire. Or, la parole est une semence. Parce que tu es en train de semer la plante, tu vois que tu sèmes cette parole. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Mais comme ce n'a pas été consacré, les esprits te poursuivent. Je prends l'exemple dans les familles. Il y a des gens qui sont issus des familles de forgerons. Allez vous asseoir. Ils sont issus des familles de forgerons. C'est-à-dire qu'ils font des fers. Or, un monsieur comme ça qui n'a pas été délivré de l'esprit de fer, parce qu'il y a des gens, leur famille, c'est des forgerons, qui n'a pas été délivré de ça, s'il commence à entreprendre les maisons, les maisons, il rentre dans cette histoire des maisons, il construit des maisons, ça ne va jamais marcher. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce que leur vie était destinée à ça. Leur vie était destinée à ça. Pour eux, dans la famille, c'est ça. C'est faire le fer. Or, un monsieur comme ça qui décide d'entreprendre, de faire des plantations, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'a pas brisé avec cet esprit.
Or, dans les familles, il y a des familles qui sont ici, des familles des esclaves. Eux, dans leur famille, dans leur lignée, ce sont des esclaves. Ces personnes vont toujours, vont avoir des diplômes, mais ne vont jamais avancer. Parce qu'ils sont la lignée des esclaves. Il y a des familles qu'on a dans les villages où c'est des esclaves. Ils ont fait la guerre, on les a pris. Ils sont devenus des esclaves dans le village. Or, si tu es issu de cette famille, tant que ce n'a pas été brisé, l'esprit t'accompagne. On a bien saisi. Or, le diable tient compte de tout ça, même les démons, les sorciers, tiennent compte de tout ça pour vous attaquer. C'est pour ça que quand vous venez ici, ce qui nous intéresse, c'est le bain de purification. On le fait pour vous délivrer. Amen. C'est un acte puissant où on verse de l'huile, le premier, le deux, le troisième. Ça vous déconnecte. C'est une connexion. Il y a une connexion qui a été créée entre vous et les esprits. Or, quand on le fait, ça vous déconnecte de tout. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Si tu vas dans un quartier, il faut parler. Il y a des gens qui vont même... C'est pour ça que je parle. Je vais donner un message très fort à nos frères de la diaspora. Or, quand tu vas dans la fausseté en Europe, tout ce que tu vas te répondre, ça ne va jamais marcher. On ne dit pas amen, hein? Amen. Vous aimez prendre sans papier, les faux papiers, pour partir en Europe. Du faux. Dieu n'est pas dans le fort. Or, le fondement, le commencement est très important. Tu as démarré sur quoi? Or, de toute façon, tu as démarré, c'est pour ça que tu as fini. Même si tu as des fortunes, mais tu finiras mal en Europe. Il y a des gens qui sont partis sur des faux fondements. Ils ont pris peut-être le papier des frères, des parents, parce qu'ils voulaient se rendre en Europe. Mais en y arrivant, ça marchait peut-être un premier temps. Mais ils vont commencer à avoir toutes sortes de difficultés. Ils vont accuser le petit Zadik au village, le vieux Zadik, qui n'a rien fait, qui mange quand même l'homme. Ils vont dire que c'est lui. Or, lui-même, il est mal parti en Europe. Or, quand tu es comme ça, il faut refaire des choses spirituelles. Tu allais sur le faux, sur le territoire européen. Alors les choses vont t'accompagner, c'est l'échec. Le diable sait que tu es dans du faux. C'est sur la base du faux que tu es parti. Tu as beau prier, Seigneur, mais Dieu, écoutez, Dieu, il est un Dieu de justice. Satan m'a dit non, mais regardez, sur la base du faux qu'il s'est retrouvé en Europe. Et Satan va commencer à attaquer tes biens. Il va commencer à détruire. Tu es en Europe 7, tu as fait des années 7, tu vas pour faire, mais tu ne vas jamais bénéficier des bonnes choses au niveau de l'Europe. Pour ça, il y a des gens qui se forcent. Mais on peut partir de la Côte d'Ivoire être quelqu'un d'humain. Inviter dans du faux. Parce que les esprits vont attaquer. Ils savent ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne sont pas dans la vérité. Il y a des gens qui parlent en Europe, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Tout comme si l'Europe était synonyme de richesse. Il y a un gars là, il vient demander l'argent, il vient dans la Côte d'Ivoire ici là. Sinon, on leur donne l'argent. C'est le nom seulement, c'est...